à Monsieur Olivier Faure. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le restaurant Bagelstein, tagué Juden pour juif, comme autant sinistre de l'étoile jaune. L'effigie de Simone Veil, rescapée des camps de la mort, recouverte d'une croix gammée. La sépulture profanée d'Ilan Halimi, torturée et assassinée parce que juif. 3 jours, 3 actes qu'ici personne ne peut accepter. Et tant d'autres qui n'ont pas connu la même publicité. Les chiffres, tout le monde les connaît désormais. En 2018, une augmentation de 74% des actes antisémites. Ce matin, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, entendu Delphine Horviller. Elle a raison. Maintenant, il faut réagir. Réagir fortement. Réagir ensemble. Réagir durablement. Ne pas laisser l'antisémitisme se banaliser. Ne pas laisser l'histoire se répéter. L'antisémitisme, ce n'est pas l'histoire des Juifs. Ce n'est pas l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de toute la nation. C'est l'affaire de la gauche. C'est l'affaire de la droite. C'est l'affaire du centre. C'est l'affaire de ceux qui soutiennent le pouvoir. C'est aussi l'affaire de ceux qui le contestent. Il y a 30 ans, chers collègues, nous manifestions dans les rues de France par centaines de milliers. Aujourd'hui, quelques tweets. Alors, pour les jeunes générations, nous devons continuer à dire non. Non, ce n'est pas la France. Rendons-nous compte. Aujourd'hui, 51% des lycéens ignorent jusqu'au sens du mot « Shoah ». 19% des 18-34 ans ignorent jusqu'à l'existence même du génocide. Nous devons agir. Depuis ce matin, je suis en lien avec tous les responsables de parti. Tous veulent s'engager dans un appel commun. Nous avons besoin de mobilisation claire, massive et d'action durable pour éviter de retomber dans les travers de l'histoire. Parce que c'est cela, la France. Je conclue. Monsieur le Premier ministre, oui, ce serait bien. Nous sommes tous ici prêts à combattre la haine sous toutes ses formes, à vos côtés. Et c'est ce message qui doit être entendu aujourd'hui de cet hémicycle. C'est ce message qui nous est commun, parce qu'ensemble, chers collègues, nous sommes la République. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, mesdames, messieurs, vous avez évoqué, monsieur le député, ces actes qui nous ont tous marqués, mais qui sont le symbole de cette déviance, de cette pourriture des esprits, qui fait qu'effectivement, à l'endroit même où Ilan Halimi a été jeté, brûlé à 80% sur son corps, jeté d'un RER, il y a une personne qui a trouvé marrant d'aller abattre les 2 arbres de liberté qui avaient été plantés par les élus sur le coin. Il y avait à cet endroit-là, je me suis rendu hier soir, une émotion. Et c'était une émotion française, c'était une émotion républicaine. Vous êtes, monsieur le député, responsable d'un parti politique qui a toujours placé l'antisémitisme au cœur de son combat. L'antisémitisme, le racisme et aussi la laïcité, qui est la défense de toutes les religions. Même si on peut constater cette année une stabilisation des actes racistes, même si on peut constater cette année une stabilisation des violations des lieux de culte catholiques, aucun n'est acceptable. Mais vous avez souligné, monsieur le député, l'aggravation spectaculaire des actes antisémites et sur lequel il nous faut être mobilisés. Alors vous avez invité l'ensemble des partis politiques à une manifestation politique sur laquelle je ne me prononcerai pas. Mais je peux vous dire tout mon soutien sur cette démarche-là. Par contre, comme ministre de l'Intérieur, il m'appartient aussi de faire en sorte que nous luttions systématiquement, méthodiquement, avec la plus grande énergie, contre les propos haineux, contre les violences qui existent, à commencer par Internet, où la parole s'est tellement libérée qu'il nous faut agir de façon systématique, de façon automatique. Il nous faut simplifier, c'est ce que nous faisons, les procédures de signalement. Il nous faut faire en sorte qu'au maximum, en 24 heures après un signalement, la totalité de ces actes injurieux antisémites soit immédiatement enlevée. Nous avons mis en place des sanctions financières plus dissuasives pour les opérateurs qui n'enlèveraient pas les contenus haineux. Et il nous faut aussi, c'est nécessaire, aller plus loin sur ce sujet. Il nous faut aussi simplifier, et c'est ce que nous proposerons, la procédure judiciaire pour faire en sorte qu'aucun acte ne soit impuni et pour cela que tous les actes subis fassent l'objet d'une plainte que nous instruirons avec la plus grande sévérité. Je vous remercie. Merci.